bonsoir, yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi c'est Jacques Lembélizère, quelqu'un grand point cap dominé actualité. Famille yon gen Petite Dessalines ak Réveil National. Washington ki baye parti politique yo 24 heures pour voyer non moun précisé, leader Guy Philippe pas qualifié pour participer dans le conseil présidentiel transition. États-Unis élection, électeurs américains a paré pour un lot face à face entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection novembre. Mesdames, messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer et focus nous. Attention nous plutôt, c'est sous pays d'Haïti avec tout développement cap gain et nous connaît depuis démission premier ministre Ariel Henry depuis annonça et ben grand pile nouveau développement qui a fait et cap sorti à travers le monde concernant pays d'Haïti et surtout dans Washington qui très présent dans dernier développement concernant pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Sandra Le Maire qui les même gont mise à jour pour nous par rapport à la position Washington sous sa cap passé dans pays d'Haïti. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Et femme dit à téléspectateurs, auditeurs, que la Voix de l'Amérique gagne un reporter qui a voyagé ensemble avec président Biden, qui allait dans l'État Wisconsin aujourd'hui. Hein. Donc, dans l'avion, hein, et il a posé questions. Et donc, nous posons questions sur Haïti aujourd'hui, hein, dans l'avion président Biden. Hein. Et Messa et Karine Jean-Pierre Dino. Donc, VOA a demandé la Maison Blanche opinion administration Biden nan, sous période de 48 heures que accord CARICOM nan bay pour conseil transition présidentiel pour Haïti a en place. Porte-parole Karine Jean-Pierre répond. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti a géré GFOYO à date pour conseil là nommer. Nous pourrons quitter peuple haïtien géré GFOYO à date pour conseil là nommer. Lui réitérer que États-Unis quoi, c'est haïtien qui doit choisir le deuil et puis déterminer l'avenir. Karine Jean-Pierre dit nous très clair sur ça. Nous prenons engagement pour appuyer haïtien à GFO haïtien à faire pour créer conseil présidentiel transition. Pour rétablir sécurité et puis parer chemin hein, pour élection libre et honnête, qui c'est un bagage nous croyons qui est très important. Par rapport avec si États-Unis va reconnaître Guy Philippe s'il est élu président d'Haïti, Jean-Pierre Dinou gagnait une déclaration CARICOM publiée qui détaillait qui est-ce qui est capable même conseiller ça. C'est tout ça m'a dit. De l'autre côté, nous gagnons un correspondant dans le département d'État et le secrétaire d'État fait connaître, le secrétaire d'État Anthony Blinken fait connaître que il était parlé avec le président Kenya matin. Donc, correspondant voix dans le département d'État, Nike Ching, fait connaître que le secrétaire d'État Anthony Blinken parlait avec le président Kenya William Ruto matin. Pour confirmer Kenya paraît pour diriger mission aussitôt que nouveau conseil transition va installer en Haïti. Blinken dit de quoi ça prend le fait, donc installation conseil là, dans quelques jours comme ça. Et puis après ça, il va nommer un premier ministre intérimé qui va permettre de déployer mission. Nous avons l'autre réaction sur ce qui a passé entre États-Unis avec Haïti, opinion, ambassade, les États-Unis pour commencer, mais ça nous joindre. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti annoncé sous compte Twitterly, qui donc réseau qui relève X Kounia, que un deuxième groupe marine rivé Haïti par voie aérienne pour bailler en pile support à l'équipe actuelle service sécurité diplomatique là, DSS, dans l'ambassade là. Ambassade a précisé que mesure ça conforme avec pratiques et standards qui gagnent pour augmentation sécurité ambassade des États-Unis à travers le monde là. Les ajouter, ambassade nous était concentré sous poursuite d'efforts diplomatiques et humanitaires en Haïti. Ici, de Washington même, porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dit États-Unis attendent à ce que même conseil transition en nos mains entre 24 à 48 heures.
Under the terms of the agreement that was announced yesterday, we expect that the members of the Transitional Council will be appointed in the next 24 to 48 hours, and then they will take the step to appoint an interim prime minister in the near future after that. L'idée d'après à quoi il était annoncé lundi, nous attendons à ce que nous nommions membre conseil transition dans prochain 24 à 48 heures, et puis après ça, il va franchir prochaine étape là qui s'est nommé au premier ministre par intérim. Département d'État répond pour dire qu'il va simplement travailler sous nomination d'un premier ministre intérimé. Dans New York, l'ONU confirmé quelques employés qui pas essentiels pour commencer à quitter Haïti à partir mercredi à cause situation volatile là. Porte-parole Nations Unies dit journaliste dans l'ONU que l'ONU pas quitter Haïti. Un collègue lui dit qu'a mené activité pour sauver la vie moun qui pourrait rester en Haïti et puis continuer opération yo. Il a ajouté que l'ONU continuait à veiller situation Haïti de près. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis par rapport à que merci Sandra, par rapport à que conseil présidentiel de transition, et bien leader Petite Dessaline, ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui rencontré avec la presse Jodia et qui fait qu'on est que lui-même avec bloc que fait alliance avec là qui gagne la donne Guy Philippe avec Jean-Tel Joseph et plusieurs autres partis politiques qui ont dit que ils ont même yo rejeté décision qui sortit dans Kingston Jamaïque, donc décision CARICOM en parlant de et transition que yo vle faire en parlant de conseil présidentiel de transition. Il dit comme ça que après déclaration que le fait, après rencontre avec la presse allemande, mobilisation tant qu'on le répétait, le barré en haut, barré en bas, pendant que le fait qu'on est que gagnent yo même dans niveau pa yo, yo gagnent yo l'autre conseil qui gagne 3 membres là-dedans sans que il pat vraiment cité non monde. Pendant ce temps donc comme ça pour gain pile point d'interrogation qu'a posé sous formation conseil présidentiel de transition qui pratiquement en difficulté dans impasse jusqu'à présent surtout avec position non seulement position et Moïse Jean-Charles avec l'autre encore mais et désignant qui gagne dans mi-temps plusieurs l'autre partie. Nous allons rejoindre correspondant nous Yves Manuel. Diverses organisations politiques axilao dans la société civile dans le pays d'Haïti engagé dans négociation pour choisir 7 membres conseil présidentiel transition. Gain certains partis qui poko révélé représentants tandis que gain l'autre qui prend gros décision. Akon Montana choisi Fritz Alphonse Jean comme représentant bien que gain réserve sous processus sélection CARICOM. Akon 21 décembre proposé Vickerson gagné mais gain en pile tension en dans stricti ça qui capable entraver décision. Collectif parti politique 30 janvier en discussion pour sélectionner représentant yo mais yo pas confine en temps yo sou choix. Regroupement aidé Red à compromis historique choisi Marie-Ghislaine Montpremier pour représenter yo dans conseil présidentiel là. Famille Lavalas a discuté mais yo pas grand public non yo. Petite Dessaline bon côté pâle voyez j'étais bien loin proposition CARICOM nan. Yo même c'est dans conseil 3 membres yo t'ai proposé récemment yo pralé. Alors que secteur privé affaire bon côté pâle poko clair si la voye moun ou pas. CCIH la souligné l'important pour implication secteur privé dans démarche pour restaurer stabilité économique et sociale dans le pays d'Haïti. Groupe société civile désigné Pierre-Jean Raymond André comme membre observateur dans le conseil présidentiel. Pourquoi il est là? Rien pour qu'on fasse clair quant à mise en place conseil présidentiel. Certains partis voyaient même 7, mais il y a un pile l'autre qui est en discussion et Petite Dessaline, même Jean à Guy Philippe, qui voyait jeter bien loin proposition ça. Est-ce que mise en place conseil présidentiel 7 membres là dans impasse? Yon question nous pour qu'on répondre. N'a pas rappelé, journée mercredi, c'est date limite pour parti concerné yo soumettre à département d'État et puis CARICOM non personnalité qui pral fait partie du conseil présidentiel ça. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Pendant que y a tant non parti politique yo un ben département d'état qui fait qu'on est que Guy Philippe lui-même lui pas qualifié pour faire partie de conseil présidentiel de transition et c'est comme ça tout que gain partisan Guy Philippe yo qui prend la rue dans Jérémy dans département et grand dans ça nous gain sous place Mackinson Charles.
Patisan, ancien sénateur Eli Grand Instant Guy Philippe, manifesté journée mercredi 13 mars 2024 là dans ville Jérémy pour capable dit non à proposition CARICOM fait pour gagner un conseil présidentiel 7 membres à divers secteurs dans le pays d'Haïti pour remplacer Premier ministre Ariel Henry qui lui-même fait annonce démission pour quitter le pouvoir après installation conseil présidentiel. Il est là pour nous prendre destin nous en main en tant que peuple. C'est pas moi ici qui m'a dit Guy Philippe, vous voulez. Mais nous pas vers ce CARICOM, pas CARICOM. Quittez nous prendre destin nous en main pour nous gérer le pays. Nous. Il n'y a pas de prendre Ariel, Ariel était là déjà. Il retire Ariel pour aller pour un sous-soul, Julie, pour le connaître qui vient diriger le pays. Cette fois-ci, nous prenons destin en main. Nous ne pouvons pas y aller, nous ne pouvons pas y aller. Guy Philippe Vina, il a implanté le mouvement révolution, le mouvement prend, il porte fui. Je ne dis pas à Folka manger. Folka manger une banane mille ans parce qu'elle te travaille pour lui. Moi, je ne parle pas l'anglais. Si je parle l'anglais, en anglais, je ne parle pas CARICOM là pour me faire comprendre quelques bagailles. Non, CARICOM, et ça me dit seulement en anglais. Pour Dr. Swamil Laureus, qui est responsable causé grandance, il y a stricte politique en dedans département grandance, il y a un conseil présidentiel avec trois membres. Côté cap gué dans tête li, ancien sénateur et grandance, Guy Philippe. Nous pas dans question CARICOM a décidé pour nous. Nous, c'est haïtiens, nous avons décidé pour tête nous. Et nous sortons un document. Côté nous mentionner qui ça nous voulait, qui ça peut pas ici en voulait. Peut pas ici en besoin un conseil présidentiel qui est trois monde. La donne pour gagner Guy Philippe qui préside conseil là, pour gagner madame docteur Françoise et puis avec juge coup d'appel là. Journée jodi a nous-mêmes nous pas gagne route pas bois, c'est voie peut pas ici pour passer. CARICOM pas capable décider pour nous, c'est nous pour décider pour tête nous. Pendant l'abdou, d'après le département d'État américain, ancien sénateur Eli Grand Instant pas répondre critères pour faire partie conseil présidentiel transition. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VO. Merci Mackinson. Nous pourrons rejoindre Konya, envoyé spécial nous et Valérie Saint-Louis qui était dans Kingston, Jamaïque pour go réunion CARICOM d'affaires et Konya l'y trouvé dans Porto Rico. Porto Rico qui c'est un point central parce que c'est là ça que c'est là que Premier ministre Ariel Henry t'a le réfugié après que avion privé que était là-dedans, eh ben il n'y a pas de joindre autorisation pour le atterri dans la République Dominicaine. Donc Valerio Saint-Louis, son globe-trotter dit en anglais. Valerio, qui sont ouais, qui sont attendés ou dans San Juan, Porto Rico? Nous sommes dans San Juan, Porto Rico et nous dans un quartier très historique et très commercial. San Juan, Porto Rico qui est Old San Juan. Alors après que Ariel Henry a fait apparition dans la vidéo pour décolleté adresser la nation, il a dit que la paix d'émission. Eh bien, officiellement, jusqu'à présent, personne ne connaît qui côté vraiment que Ariel Henry. Il y a des gens qui toujours fait connaître, toujours croient que l'île dans Porto Rico, l'île dans la ville San Juan. C'est pour ça que VOA Creole débarqué dans San Juan, Porto Rico, une deuxième fois. Et n'a pas cherché, et n'a pas parlé avec des sources qui ont même peut-être officielles et officieuses, qui sont capables de dire nous qui côté Ariel Henry. Mais en attendant, dans le quartier côté nous, il y a là, il y a une communauté haïtienne qui pas en pile d'après ça, fait nous connaître dans Porto Rico. Maintenant, quartier ça, quartier qui est très touristique, qui est très historique, il y a haïtien qui a des business. Et nous avons parlé ensemble avec eux, nous avons demandé tout, pendant que y a dit que là, il y a Porto Rico, il y a des business, nous avons demandé est-ce que vous côté Ariel Henry et qui genre de sentir par rapport à sa capacité en Haïti. En regardez ça, vous dites. Moi, c'est sorti à Saint-Fla. Nous, ici, là, dans Porto Rico, depuis 1983. Nous, là, on a fonctionné normalement. Là, nous sommes capables de dire que c'est une galerie internationale. Nous recevons des touristes qui sont tous les côtés dans le monde entier. La communauté haïtienne, ici, là, dans Porto Rico, il n'est pas en pile. Premier ministre Ariel Henry, il est là, dans San Juan, Porto Rico. Est-ce qu'il est sous place? Comme ça, je vais le toucher, parce que vraiment, oui, ça, c'est bagarre politique. Je ne fais pas de politique. Moi, c'est Andy Sénatus Jean. Moi fait Porto Rico, mes parents c'est haïtien et moi levé Haïti depuis l'em fait jusqu'à 20 ans. Et puis après ça moi venu ici, so maman gain business souvenir avec haïtien qu'on acheté depuis Haïti vinn. Chaque haïtien vinn là, les connaît son haïtien mieux. Oh my god. Situation qui a passé Haïti, hein, c'est un bagage qui vraiment touchant. On pensait de l'eau va absolument lâcher, mais nous souffrons trop.
nous souffrons trop, nous souffrons en pile. Premier ministre là, m'étendel te ici, but bah qu'on au courant de rien de là qui côté le descend, bah ça yo, m'étendel te ici, but bah qu'on s'il allait, bah qu'on n'est rien, but mais vraiment vrai, nous méritons un changement. Même c'est Vlad Senatus, moi j'ai plus que 22 ans peut-être bon ici hein. Et oui, nous la business touriste là depuis plus de 19 20 ans. Sincèrement, pas grand pile haïtien Porto Rico cap vive. Mais comme cela l'Olan All San Juan Jean ka apprécier, gien en pile store que c'est haïtien qui honneur, vous comprenez? Premier ministre Ariel Henry, il est toujours là? Bon, sincèrement, moi pas qu'à dire bon ici nouvelle yo pas sorti en grande quantité sur ça qui a passé l'aspect ça sur premier ministre qui vient bon ici l'ambition ça tout le monde a venu mon tour par la vol du et monde OK moi haïtien premier ça mon zo I'm sorry c'est bon so son bail qui affecte chaque jour son bail attendre chaque jour ça c'est tout haïtien qui lance en là tout ces business on va tout before game business. Alors nous t'ai deux trois qui t'a fait manifestation devant hôtel côté que premier ministre t'ai descendre et ou même qui j'ont réagi par rapport à ça. C'était normal bon pas faire aucune réaction comme si nous t'a regardé on t'ai campé loin à regarder on va. Est-ce au courant que premier ministre Ariel Henry toujours là dans San Juan? Non oui, je dis monsieur là hein là toujours il est là. Et ça m'entendait, je dis monsieur là toujours parce que t'es un il est démission. Mon nom c'est Claudine Kouachi. Alors moi ici ça fait en 22 ans. Alors business là parce que imagine nous soif nous t'es capable de faire un type de business comme ça dans le pays nous mais nous pas opportunité à situation pas permettre du tout. Moi quand pelle la kounya là m'a regardé et YouTube et situation Haïti m'a vraiment déprimé. M'a dit bon Dieu pas possible même moi j'aime pas manger matin. Wow. Présence ancien premier ministre, il était un petit peu incommode. Et ici à Porto Rico, il y a plein de monde qui t'a fait manifestation, c'est vrai, mais il y a plein d'autres qui t'a voulu aller à cause du travail, nous pas aller. Alors vraiment vrai, c'est une situation qui m'est capable de qui un peu ennuyant, non? Présent c'est premier ministre là. Alors et ça a un peu déceptionné nous des premiers ministres. Premier ministre, il est toujours là dans San Juan. Bon, et son bail moi m'ta aimer connait parce que tantôt il dit que il est là, tantôt il dit qu'il pas là, vraiment pas connait est-ce qu'il est toujours là. Voilà, bien que premier ministre il a fait une vidéo côté l'annoncer qu'il démissionner, mais en pile monde jusqu'à présent aimer connait est-ce que il est toujours dans San Juan Porto Rico et nous même tout la vieux Wakeol, nous là, nous sur place. Dans la ville de San Juan, Porto Rico, et nous cherchons pour voir qui côté le premier ministre Ariel Henry jusqu'à présent. Valério, c'est lui depuis San Juan, Porto Rico. Jacqueline. Merci Valério. Donc à demain, et puis restez branchés sous VOA Creole pour capable gagner toute information que Valério lui-même l'a cherché pour nous. Tant qu'il dit dans San Juan, Porto Rico. N'a quitté San Juan Porto Rico, nous pour aller dans Miami dans état Floride côté plusieurs citoyens haïtiens réagissent sous annonce démission premier ministre Ariel Henry Luxon Saint-Ville. Et ça qui a passé Haïti a et l'idée passé grave. Godeline qui branchait nouvelle chaque jour à peine saute fait maquette pour mettre la caille. Environ deux jours après, Lydie lit toujours pas quoi. Dans annonce démission premier ministre Ariel Henry. Ariel dit l'a démissionné jusqu'à date. Nous pas connait qui décision qu'a prend vraiment. Yo dit il démissionné mais pas fin sûr de démission parce que Haïti gon on bagarre la donne. Yo vend Haïti sans que nous mêmes nous pas au courant. Jeune garçon ça qui saute chercher petite fille l'école dit pas étonné des annonces démission ça. Et ça fait longtemps pour elle de démissionner déjà. Citoyen ça qui dit indigné mandé communauté internationale là pour quitter haïtien décider sous propre avenir. On veut dire CARICOM international en général faut yo ba Haïti une chance. Ça fait longtemps moun ça mettre moun pour nous. Et yo met pays à côté li là. N'a dit yo quitter haïtien prendre destin en main. Après démission Ariel Henry, Sefoni souhaitait gen tête ensemble nan mitan tout secteur yo pour favoriser organisation bon gens élection.
yo ta doué ke faire évaluation ça pas fait dans pays pour yo arranger yo pour yo mettre tête ensemble pour yo chita ensemble pour coller épaule avec épaule et puis tout pour yo ouais si yo ta cap faire élection mais élection sans sécurité élection pour qu'on fait son nom Dieu d'Orville que nous croiser cap saut acheter dans un magasin réagit lui même tout sous démission premier ministre là en il pas ta grand rien en il pas ta grand rien mon c'est 100% mon cher monsieur pas te pour là longtemps donc comme c'est grand monde faut faire aller quoi bon l'autre pour un couteau mais nous ta même mon cap prendre pouvoir lui même qui paye on seul avec tout le monde. J'espère que tout le monde est capable à l'aise. Moun sa yo kap suiv actualité Haïti à chaque jour souhaite wè yon gouvernement de transition kap gen moun tout neuf la donne et qui pral aborde yon série problème important. M'ta souhaite que yo mette tout zam à terre pour malere yo kap kite kay yo pour tout malere yo retourner la kay yo à sans qu'a sauté. Mais ancien ratio m'a bien ancien ratio même. Ancien politique yo tout ancien nèg yo net nou a besoin yo. Nouveau, on a nouveau. Et système éducatif là, il est obligé parce que Haïti, si nous vivions raté, on l'école en semaine, non année, en semaine, non mois, non, c'est pas possible. Même quoi, et bagay gang ça, faut que on joue, faut que fini. Nous voulons la paix Haïti. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville. Nous avons l'autre réaction encore dans le pays d'Haïti, mais nous ne parlons pas dans le pays d'Haïti encore. Nous avons parlé plutôt pour nous parler avec gentil Augustin Junior, qui lui-même a parlé de crise humanitaire côté Union Européenne. By Haïti, 20 millions de dollars par rapport à crise humanitaire. Gentil Augustin Junior. So the European Commission has to Crédia qu'elle accorde yon aide humanitaire 20 millions euros à Haïti pour victimes violence gang armée yo et nan mitan yon crise politique après démission premier ministre Lia. The European Commission has Commission européenne nan signé jodi a 20 millions euros aide humanitaire pour Haïti. Côté yon niveau violence gang sans pareil a augmenté plus besoin humanitaire à travers pays ya. Financement ça pral aider partenaires humanitaires yo répondre à besoin qui pi jeune en population nan niveau protection aide manger nutrition d'eau sanitation ak soin la santé porte-parole Union européenne nan té ajouté que yon pati nan aide ça ta dwe permettre ti moun haïtien yo gen accès ak éducation pendant que en pile l'école fermé à cause crise politique la nan pays ya ki jounen jodi ya gen yon premier ministre démissionnaire Gypsy Metelus qui se directrice yon ONG nan site Floride kwè que décision premier ministre haïtien c'est une étape dans bon direction. Yes, the departure is a step in the right direction. Oui, départ c'est une étape dans bon direction parce que nous t'a demandé pour ça depuis 3 l'année. Mais kounye ya ke li ale, personne pa ka fè moun ki mouri yo rejoindre la vie. Co-fondateur centre là, t'es profité par les tout sous affaire gang yo qui kangrene pays d'Haïti. D'après texte AFP ya, gang yo prend contrôle toute section nan pays ya qui gen 11.6 millions habitants. These gangs, this gang sa yo à cause façon yo té armé, accès yo té gagné pour joindre zam ak munition, pat agi pour compte yo. Li clair que yo té gen supporté. Moi pensé c'est peut-être ça nan étape précise ça. Haïti pas capable faire face à situation pour compte li. Après annonce premier ministre lan di l'a démissionné après yo fin installé yon collège présidentiel, cofondateur centre la di communauté haïtiano-américain yo gen jebraqué sou moun sa yo ki pral pran mayet la. The Haitian Americans in particular. Haïtien américain yo en particulier pral très veillatif ak sa ki pral passer nan gouvernement provisoire sa mam li yo condition participation yo ak plan yo genyen pour stabiliser situation elite continue pour ajouter tout and the future. Dans l'avenir, pas gen aucun représentant Nations Unies, aucun représentant secrétaire général Nations Unies kap gen courage pour suggérer que gang yo ta doué ini. Dernier chef l'État, Jovenel Moïse, t'est assassiné dans l'année 2021. Pourtant, li pat jam rive faire élection depuis 2016 pour renouveler personnel politique li yo.
Premier ministre Ariel Henry Jovenel Moïse te nommé, te doué quitter fonction li nan commencement mois février ya. Mais c'est nan mois mars la li d'accord l'ap démissionné après installation yon collège présidentiel kap gen pou vinn mené bak peyi ya avant élection. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis actualité électorale là ici aux États-Unis, eh ben l'électorat américain apparaît pour un face à face l'autre fois encore entre Joe Biden et parti démocrate là et ancien président et républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe, c'est un rematch en anglais. Oui, j'en dis à Jacqueline son image vraiment de l'élection qui est passée, l'élection 2020. Yo. En tout cas, et ancien président Donald Trump avec le président sortant Joe Biden, et bien monsieur Abgade Kounia, date 5 novembre 2024, côté Obral, tête droite depuis Kounia là pour y aller dans l'élection présidentielle générale. Yo. Après, yo chaque, il a apporté quantité de délégués nécessaires pour y remporter nomination parti spécifique, donc parti démocrate avec parti républicain. Président Joe Biden avec ancien président Donald Trump remporté nomination parti démocrate avec parti républicain après élection primaire caucus qui déroulé mardi 12 mars là dans plusieurs états. Victoire ça a lancé deuxième duel face à face une élection présidentielle américaine depuis 70 ans. Président Biden joint support 2107 délégués contrairement avec 1968 délégués qu'il était besoin pour remporter nomination parti démocrate là. Démocrate TGT bulletin dans Mississippi, Washington, Northern Mariana Island avec démocrates qui vivent à l'étranger. Juste après résultat, président Joe Biden publié une déclaration pour dire jeudi à électeurs gain pour faire un choix concernant avenir États-Unis. Est-ce que nous pral camper pour défendre démocratie ou bien quitter adversaire en face là craser en miettes morceaux dans nous. Nous pral rétablir droit pour nous choisir et puis protéger liberté nous ou bien est-ce que n'a quitter extrémisme ou retirer dans nous. Ancien président Donald Trump a remporté nomination parti républicain après lui ramasser 1241 délégués comparé à 1215 nécessaires pour te remporter nomination parti. L'élection s'est déroulée dans l'État Georgie, Hawaï, Mississippi avec l'État Washington. Dans une déclaration, ancien président Donald Trump fait après résultat, il a commencé à publier, il dit c'est un gros honneur pour me joindre nomination pour me présenter parti républicain dans l'élection novembre 2024. Parti noir uni et fort et nous comprenons tout bon nous pour faire face avec pi mauvais et incompétent président corrompu et destructif États-Unis Jean Cronin. Puis loin dans déclaration ancien président exprimé confiance l'a remporté élection 2024. Jeudi a escamoteur et Joe Biden a dirigé pays à tant qu'un pays tiers monde cap servi avec système justice pays a pour lui persécuter adversaire politique lio qui c'est moi-même. Mais nous pas échoué, n'a pas reprendre contrôle pays ça qui était grand pour mettre en première et faire le plus grand encore. Deux candidats ont déjà dit attention dans l'élection générale 5 novembre yo, côté ont commencé meeting de masse samedi passé et ben deux candidats ont été trouvés dans l'État Georgie côté ont mené campagne côté question immigration était dans centre rencontre avec supporters yo. Campagne président Biden a annoncé une phase agressive campagne là les présidents sortants commencé un viron dans l'État qui capable jouer un rôle important dans l'élection novembre 2024 là. Ancien président Donald Trump continue à rencontrer électeurs républicains malgré la fait face avec plusieurs poussées. Ceci n'a été passé gain dans bien immobilier li possédé, bayon actrice prostituer l'argent pour fermer une bouche li avant l'élection 2016 yo, semblier j'ai fort pour te encourager supporter yo si mais la troublaille pour éviter Congrès à ratifier victoire Joe Biden dans l'élection générale 2020 yo. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous avons salué un gros et ami VOA Creole, Leslie Sandy, qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Même j'entends, nous avons salué Leslie Moïse, nous connaissons captant de nous dans ce moment ça. Donc merci pour attention, nous merci pour fidélité. Nous remercions Sibas et
Bonjour, bonsoir à toute la famille, amis internautes qui connectent mes nouvelles dans le moment. Plaisir, qui est content pour nous rentrer la caille, nous, notre travail dans le business, non? Et quel que soit côtoyé avec trache nouvelle, ça se met sac nouvelle, j'ai un deuxième deal. C'est pour la grâce avec confrère et puis consoeur dans la voie d'Amérique qui permet qu'une capable connaisse ça qui gagne la canne en Haïti, à l'étranger, mais n'a vraiment mis focus ça sur ça qui a passé la canne en Haïti. Mais bien avant qu'une commence avec ensemble de points, yo, laissez-moi dire que, on même cap garder trache nouvelle, ça pour capable like li. Si vous pouvez abonner avec Chanel ça, et bien, quitte un commentaire en bas vidéo ça, partagez-le. La fait nous bien en pile, amis. Internautes nous yo. Autorité américaine yo qui continue à réagir concernant dossier haïtien après que chef gouvernement Ariel Henry annoncé et lundi à travers une vidéo préenregistrée que lui-même gouvernement a démissionné et bien, par rapport avec sa capacité en d'un pays. Et Jean que Ariel Henry lui-même dit pas aucun sacrifice qui trois grands, vous nous dit bien. Mais pour que pays capable de livrer et qu'on ait la stabilité avec l'appel, mais depuis après les ça, il y a un pile débat qui a fait en d'un pays, côté CARICOM avec Bourade les États-Unis, Canada avec la France, clairement. Te, si t'as parlé avec un ensemble d'acteurs politiques en Haïti, pour yon ka tombe d'accord sur San Rele, yon conseil présidentiel, qui a gagné la donne 7 membres, et côté différents secteurs, pour qu'elle choisit, vous voyez, représentant yon non conseil présidentiel, ça. Maintenant, dis bien là, maintenant, question États-Unis, mais jusqu'à présent, fait qu'on est que la maison, fait qu'on est, mais Haïtien, c'est entre eux, pour garder comment qu'on est capable de jouer une solution. Et maintenant, crise que pays y'a qu'on est là, y'a quitté que Haïtien géré, et mais crise là, mais pendant clairement pour dire que, mais dans question conseil présidentiel qu'a parlé, hein, mais il a clairement dit que, selon porte-parole département d'État américain, hein, Matthew Miller, monsieur dit clairement que, you know, Tocco Guy Philippe, monsieur pas capable, mais dans conseil présidentiel ça, quel que soit c'est à, mais dans conseil 7 membres qu'a parlé, hein, quel que soit tout, c'est à conseil 3 membres que Jean-Charles Moïse, ensemble avec Réveil, hein, et qui pourrait, avec la déclaration Master Paléan, mais Guy Philippe pas capable d'en conseiller ça parce que Guy Philippe li condamné tout ça au ensemble de dossiers qui tombent sous d'eau et c'est parmi des raisons que il était avancé comme critère, mais qui je dis là que Guy Philippe pas capable d'en conseiller ça. Même Jean, mais selon délégation CARICOM, il a clairement dit que un monde qui condamné, un monde qui sous sanction, un monde qui est même que t'a gain intention pour aller dans l'élection qui pour faire yo, un monde qui t'a dû accepter pour que mission étrangère ça rentre en dans pays, mais c'est ensemble de critères que mais yo défini là pour monde qui va faire partie conseil 7 membres ça qui va gérer tête pays. Dans question ça, gagne leader petite Dessalines Jean-Charles Moïse qui voyait jeter ensemble avec Réveil national qui vont éjeter question conseil présidentiel ou ensemble de acteurs qui ont proposé pour t'avoir pris en tête pays, mais ça Guy Philippe, monsieur Jean-Charles Moïse, li voyait jeter causé ça et li mandé peuple haïtien et mandé que tout le monde qui d'accord avec proposition Réveil national ensemble avec je même comme petit Dessalines et puis ensemble de partis politiques et puis organisations de base qui décidaient pour que proposer un conseil 3 membres avec Guy Philippe Nantel comme président, juge Duret Junior comme membre et puis docteur François Saint-Vivier comme membre, c'est lui même qui doit arriver pour prendre tête palais national. Et n'a dit dans le département créé dans sa pays, te gen plusieurs milliers partisans Guy Philippe qui ont même pris la rue dans le département créé qui en même temps tout cap critiqué autorité CARICOM yo et il a dit yo pas reconnaître Sandrile mais proposition CARICOM nan avec un conseil 7 membres qui a parlé et côté que CARICOM voulait jeter question conseil présidentiel 3 membres Charles Moïse, hein, et il dit clairement que yo pas non causé et Guy Philippe, hein, selon ça, il dit, mais ensemble de partisans, ces partisans, Guy Philippe, dans le département craint dans ce pays, hein, il dit clairement que il a mobilisé jusqu'à ce que ces choix pas ou hein, ces décisions peuple qui passaient, poussé et mes conseils trois membres qui arrivaient à représenter, à diriger pays, hein, selon ça, à qui dit. Mais Guy Philippe, qui lui-même réagit et qui, depuis lors, que l'apprenne que CARICOM décide
décidé pour gagner un conseil 7 membres et pour dire clairement que li pa gen droit participer dans conseil ça, mais Guy Philippe qui clairement dit que CARICOM pa gen pou la passer haïtien l'ordre pour dire mais ça yo vle et mais ça yo pa vle, li pa gen droit pour la imposer ça que le vle lui-même selon ça qui dit bon côté Aimé Guy Philippe et dans ce salement des peuples haïtiens moun à travers paysan pour yo continuer mobiliser jusqu'à ce que yo rive et me permettre que ces voix peuple qui passer pour que ces conseils ça installé dans niveau palais national. Gien pile acteur qui yo même t'a dû voyer représentant yo dans conseil présidentiel ça qui déjà gien gros marche gonflé dans mitan yo et gien de moun qui t'a déjà choisi, mais c'est des mouns que société, c'est des mouns que de l'autre acteur commence à critiquer parce que yo dit moun sa yo pa gen un bon passé qui donc yo pa ka yo même ka représenter yo dans conseil présidentiel ka parlé là selon ça yo même yo fait connait. Par exemple, gagner mes parti Red et puis aider qui t'a voulu faire choix de ancien ministre condition femme à droit femme sous présidence Jovenel Moïse, n'a parlé de Marie Ghislaine mon premier, mais selon ça qui dit bon côté ensemble des acteurs, yo dit que ancien ministre condition femme non Marie Ghislaine mon premier, li pas capable li même à représenter Red ensemble avec Aidé parce que ancien ministre ça que l'état rentré dans l'état comme ministre condition femme ak droit femme et en même temps tout qui t'a géré portefeuille ministère affaires sociales et travail, li pas fait déclaration patrimoine avant le sorti et après l'état quitté poste ça qui donc déclaration patrimoine ça qui dit que mais pour te dire l'état mais qui bien que gagne l'entrée dans l'état et l'elle sorti pour te dire mais avec qui bien que le sorti dans l'état que donc ça yo trouvé que au monde constate a déjà qui pas pral bien mener ba question conseil présidentiel qu'a parlé en même temps tout gagne majorité alors bloc majoritaire dans en dedans accord 21 décembre non. Nous connaissons qui gagne bloc minoritaire là, qui gagne la donne André Michel, Marjorie Michel, Soel Jacinthe, mais bloc majorité en dedans accord 21 décembre non, j'ai déjà fait choix de ancien député Vickerson Garnier, ancien député de choix que si me pas trompé, mais même là encore, gagne de acteurs qui déjà à chercher Aldeye de donner de information pour ancien député Vickerson Gagné pour montrer que même ancien député Vickerson Gagné n'est pas innocent, n'est pas catholique par rapport avec gens que en pile monde, gens que majoritaire là, bloc majoritaire là à quoi 21 décembre voulait venir, voulait présenter là parce que selon eux-mêmes ancien député Vickerson Gagné son monde tout qu'il est même ta doué à répondre question la justice par rapport avec dans rapport que enquêtait LCCO tes produits qui est pour avec de scandales corruption qui passait en dedans l'état et les moun sa yo t'es occupé de fonction en dedans pays hein. Et n'a dit clairement que là gagné mais André Michel Marjorie Michel et monsieur Bozil et Soel Jacinthe cap tenté imposer les vaillants le jeune en dedans conseil présidentiel là alors que majoritaire là bloc majoritaire en dedans et à quoi 21 décembre là yo même yo voulait c'est Vickerson Gagné. Et lundi, Levin Lujeune, c'était ancien député que les mêmes militaires, M. Ouella Kouniala, mais gagné là, mais il voulait imposer ancien député des Junan qui c'est Levin Lujeune, selon bloc minoritaire SDE, à quoi 21 décembre. Pour nous dire bien, c'est gros division, c'est gros chier, et puis de cap fait là, en mi-temps, ensemble d'acteurs en dedans paysan, qui t'a dû voyer ça, les partisan yo à le représenter yo dans conseil transition et conseil présidentiel cap pour venir prendre gouvernement payant selon ça qui dit bon côté ensemble de acteurs ça yo et n'a dit clairement tout gain de autres acteurs qui a réagi qui déjà qualifié un conseil présidentiel sept membres ça comme au conseil présidentiel conzé selon eux même c'est des monde qui pral rive trahi peuple haïtien et yo croit que monde ça pas venir travailler dans intérêt peuple haïtien n'a dit bien gain là. Nous avons dit la gagner dirigeant protocole 17 octobre qui quoi conseil ça c'est un pas dans bonne direction. Je souhaitais les que conseil ça appliqué libéral appliquer en feuille de route qui charrier revendication peuple haïtien mais si tout problème insécurité même protocole accord protocole 17 octobre long je souhaitais en même temps tout acteur politique mettez tête ensemble pour travailler sous feuille de route ça pour payer qu'après route stabilité à élection selon ça vous dit
Alors, ce que divers autres groupes avouent et jeté démarche en ce sénateur Ligue de Stan, Guy Philippe, qui qualifie à Ouga son comportement international, qui pensait, il a décidé dirigeant pour Haïti, pour régénérer le système, non? Guy Philippe, sermenté révolution après possible pour faire échec avec projet ça. Consensus national transition politique, Patio continue proposer c'est un présidentiel, c'est un juge dans coup cassation pour qui comble vide présidentiel, non? Jean ça prévoit dans constitution 87, non? N'est pas dirigeant politique qui entre dans conseil, non? Fait choix trahi nation, selon Olivier Pierriche. Policiers continuent à compter cadavres de toute façon. Deux policiers, 31e promotion, mourir Junior Madian. Policier Antoine Edwin mourir avec une maladie. L'étape supporté Estino en Jean Angelo mourir et les mêmes tout dans d'autres trois commissariats de la 62 ans, selon éléments informations. Et pour finir, on a dit clairement que Guéien. Et mardi qui était 12 mars 2023, 24 là, pardon, l'issue fait 3 l'année depuis que nous sommes gagnés 5 policiers, agents SWAT et un agent Boyd qui était mouru dans l'opération échoué, qui a terminé en dedans village de Dieu. Mais quand on a été signé pour Lionel Lazare, il regrette 3 années après, cadavre policier, ça y est toujours dans le village. Au contraire, bandit, on continue à humilier policiers, embager policiers. C'est dit qu'à il regrette jusqu'à présent, toute responsabilité, yo, pas jamais fixée, selon ça qui dit à côté, Lionel Lazare. Voilà, messieurs, dames, pour ça, avec divers lots, après le fait essentiel, notre nouvelle, ça, sous mes 5 nouvelles, j'en doute, je dis, grâce avec confrère et puis consonne, dans la voix d'Amérique, encore, en nous like, en nous partager, en quitte un commentaire, et si à peine tombé sur le channel, ça, abonnez avec lui, pour une grande communauté, à. Bonne écoute, tout le monde.